Dans l'émission du 23 novembre de The Voice Kids, Jennifer sera très émue par l'un des battles. La coach n'a pas pu retenir ses larmes à la fin de la prestation. C'est l'heure des battles pour les talents de The Voice Kids. Alors que l'émission ne sera pas diffusée vendredi 16 novembre, les quatre coachs du concours de chant retrouveront leurs jeunes chanteurs dès la semaine prochaine. En attendant, TF1 a diffusé un extrait d'un battle particulièrement touchant. Sur scène, le duo Camila et Zion Luna, Stella et Lilian livrent une prestation émouvante de la chanson Si t'étais là de Gwen, ancienne participante de The Voice. À la fin de la prestation des quatre talents de son équipe, le coach Jennifer a même beaucoup de mal à retenir ses larmes. Au moment de les applaudir, elle a essuyé quelques sanglots. Et l'émotion était également au rendez-vous pour les trois autres coachs de The Voice. Durant la chanson, Amel Bent n'a eu de cesse d'être scotché par leur interprétation. Pareil pour Soprano et Patrick Fiori, qui ont été bouleversés par les talents des quatre graines de chanteurs. Le 23 novembre, ce sera donc au tour de Jennifer et de Patrick Fiori de juger leur talent lors des battles. La semaine dernière, vendredi 9 novembre, ce sont les deux nouveaux coachs qui ont eu la lourde tâche de sélectionner ceux qui continuent l'aventure. Ainsi, Amel Bent a sélectionné Ismaël et Indy pour les demi-finales. De son côté, Soprano a validé les tickets de Madison et Emma. Pour rappel, la grande finale de cette cinquième saison de The Voice Kids sera diffusée le 7 décembre prochain.